Qu'est-ce qu'il faut savoir dessiner pour rentrer en école d'art? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le talent, ça n'existe pas. Et il y a forcément des gens qui vont dire « Oui, mais de toute façon, il y a des gens qui sont prédisposés au dessin, ils sont meilleurs quoi qu'il arrive. » Ça, c'est ce que je faisais quand j'avais 4 ans. Et maintenant, je peux faire ça. Attention, ça veut pas du tout dire que je sais dessiner. Le dessin, c'est un milieu où vous faites hyper humble. Parce que quand t'as ton prof qui dessine depuis 40 ans, et toi t'es là, t'es content parce que ça fait 2 ans que tu dessines, tu la fermes parce que le dessin, c'est que de la pratique. Un jour, pour la petite anecdote, mon prof m'a dit « Tu vois, Baggy, quand tu faisais tes centaines de carnets de croquis et que c'était de la merde, c'était la bonne technique à avoir. » Ça, c'est tous les carnets de croquis que j'ai fait. Ça fait même pas 2 ans. On va prendre le premier au hasard. Mais Théma, comment c'est éclaté! Et ça, c'est dans le carnet numéro 6, on peut voir qu'il y a une petite évolution. Même si je trouve que c'est encore atroce. Et ça, par exemple, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour être en école d'art, faut pas forcément savoir dessiner. Par contre, faut savoir travailler, mon pote. Que si toi, tu dessines pas, le mec d'à côté, il va dessiner plus que toi. Donc forcément, il sera meilleur, donc pour un entretien, bah à mon avis, il va te dépasser. Donc si t'as peur de te lancer en école d'art, vas-y. C'est une école, c'est fait pour t'apprendre. Tu vas kiffer ta race. Et si je t'ai appris un truc, tu peux t'abonner.